Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter mon matériel pour la saison 2016. Alors en première partie, ce sera le matériel mouche et ensuite le matériel spinning. A tout de suite. Et on commence avec le matériel mouche pour la mer ou également pour le brochet. Alors c'est une canne Reddington Predator en 4 brins, 9 pieds et pour une soie de 10. Alors ça va correspondre pour pêcher le brochet, mais également pêcher en exo pour le bonefish par exemple, ou pour la mangrove quand vous allez en Guadeloupe ou dans les autres îles d'ailleurs. Au niveau du moulinet, alors c'est celui-ci, la marque c'est Waterwork Lamson, donc moi c'est le Velocity 4.0. Donc il est rempli avec du backing en 30 livres, il y a à peu près 200-250 mètres. Et la soie, c'est une soie Rio, c'est la Bonefish Salt Water. Donc c'est un modèle large arbor parce qu'il faut contenir pratiquement 300 mètres de fil quand on cherche le Bonefish, le tarpon, le brochet. Et le brochet de mer, je parle. Hein. Et donc cet ensemble va convenir également parfaitement pour la pêche du brochet. Donc pour la soie, c'est une soie de 10, j'ai oublié. Ensuite, pour l'ensemble rivière, alors c'est une canne de la marque Flextech en 4 brins. Donc pour soie de 5 à 6, c'est une 9 pieds également. Donc ça convient pour les grandes rivières, mais également pour les petites, il suffit de bien maîtriser les lancers. Et ensuite, au niveau du moulinet, donc c'est un Airflow Balance. Le balance 57, bon, il n'a pas servi depuis un petit moment, donc il va falloir que je le remette un petit peu à neuf. La soie, donc bah, c'est une soie de 5 il me semble, la marque je ne saurais plus vous dire parce que ça fait 4 ans que je ne m'en suis pas servi, bientôt 5. Le backing il me semble que c'était du 20 livres, donc là par contre pour la lumière c'est, il doit y avoir 30 ou 50 mètres dessus, donc c'est vraiment plus petit parce que ça va servir à chercher la truite. Vous pouvez également pêcher la perche avec. Après, il ne faut pas vous amuser à pêcher des grands scarpes parce que ça va risquer tout simplement de casser la canne. Voilà, donc on va passer tout de suite au matériel spinning et je vous dis à tout de suite. Et donc voilà mes trois ensembles spinning. Donc là, bah, on va commencer tout de suite par le plus léger. Alors c'est une canne Caperlan, c'est la Illicium. La Wixom, pardon, 200 ml. Alors, c'est une 3,5 10 grammes avec dessus un Shimano Stradic CI4 Plus en 2500 avec dessus de la tresse en 6 centièmes. Donc, la tresse, c'est la Whiplash. Donc, je sais que c'est pas vraiment du 6 centièmes mais plus du 10. Mais moi, j'aime bien. C'est une tresse qui m'a rapporté de nombreux poissons, j'ai jamais eu de problème avec, donc voilà, je continue à acheter celle-là. Donc ce combo va être principalement fait pour pêcher donc bah, la perche, éventuellement la truite, je vais essayer de faire ça cette année. Ensuite ça va me permettre de pêcher en street fishing un petit peu sur le Havre pour essayer de pêcher le bar. Voilà, donc le premier ensemble, le plus light. Ensuite le deuxième. Donc c'est une Abu Garcia, c'est la Veritas en 2m10, 12-26 grammes, en 2 brins celle-ci. Donc voilà, c'est une canne qui est polyvalente, on peut faire à peu près de tout avec, du leurre souple comme du leurre dur. Elle est assez souple, à mon sens, à mon goût, elle manque un petit peu de sensibilité au niveau de la résonance, malgré le fait qu'il y ait cette poignée. Donc là, avec ici, le fait qu'il n'y ait pas de liège, on ressent un petit peu plus les touches. Et donc c'est couplé avec un Rarenium CI4+. Donc là c'est aussi également avec de la tresse la même, la Whiplash en 6 centièmes. Donc là cet ensemble il va me servir aussi bien à pêcher le bar que ce soit du bord ou en bateau que à aller essayer de pêcher un petit peu le brochet. Je sais que pour pêcher avec des leurres plus durs, ça va être, enfin je veux dire plus dur, plus gros, genre Buster et tout ça, ça va être un petit peu limite. Moi je vais essayer quand même avec des petits modèles. On verra ce que ça donne. Et enfin, le troisième et dernier ensemble.
Alors celui-là, c'est la canne, elle est toute nouvelle, elle est fraîchement arrivée de Noël. Il y a encore même l'étiquette Shimano dessus. Donc c'est une Stradic en 2,46 m pour 10-35 grammes, donc en deux brins. Donc là, c'est vraiment pour pêcher le bar en bateau, donc pour essayer de faire de la traction ou pêcher avec des shads un petit peu plus gros que la canne, que la Bugarcia. Et donc, ben, c'est pas encore couplé avec cette canne, mais sinon celui-là, c'est le Daiwa Sweepfire 3000. Donc vous voyez, celui-là, il a pas de presse du tout. Donc c'est un moulinet que j'ai gagné au tout dernier concours de l'association Guadeloupe Pêche Passion. Donc j'avais gagné un ensemble Daiwa, donc j'avais gagné ce petit moulinet avec une canne que j'ai d'ailleurs laissé aux collègues avec qui j'ai fait le concours. Donc voilà, donc bah, ces trois ensembles, je pense que ça va être assez polyvalent pour cette saison. Donc après, j'hésite encore à voir pour du matériel big bait pour le brochet, mais je vais d'abord me contenter cette année de trouver des bons spots parce que dans la région, bah, je ne connais pas du tout. Il faut que j'essaye et puis en fonction, on verra bien. Donc voilà, c'est assez polyvalent, ça va me servir à pêcher aussi bien de la perche que du bar, que du brochet. Voilà. Donc c'est tout pour le matériel spinning. On se retrouve tout de suite. Voilà, alors c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est pas du tout adapté par rapport à ce que je veux faire. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels sont vos ensembles préférés, canne et moulinet. Et puis j'espère que la saison 2016 va bien démarrer pour vous. Et je vous dis à une prochaine. Ciao.